à la recherche de la réponse unique. Ah, elle est où ma réponse ? Ah. Hello les inspirants. Je vois souvent dans des lives ou à l'écrit, dans les réponses d'articles, des personnes qui se demandent comment savoir ce pourquoi ils sont faits dans leur vie, ce qu'ils veulent, qui ils sont, ou finalement leur mission de vie. Et ce que je constate souvent, c'est que les personnes, en fait, sont en attente d'une réponse unique. Et là, vous allez peut-être tomber les nues, mais je vais vous apprendre que ça marche pas du tout comme ça. Rechercher une réponse unique à ce genre de questions, c'est croire que les choses sont figées, stagnantes ou solides. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus mouvementé qu'une vie, qu'un humain? Moi, mon gosse, à l'apéro, après avoir bu un litre de coca! Le but dans ce genre de questions n'est pas d'obtenir une réponse unique, mais de savoir comment obtenir la réponse. C'est ça l'important. Apprendre à voir, à reconnaître, à dealer avec ce qu'on est, avec qui on est, à chaque instant. Parce qu'on n'est pas le même qu'hier, et on ne sera pas le même que demain. Apprendre à ressentir ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit au niveau du physique ou du psyché, donne des signes, des indicateurs sur votre vécu. La troisième chose, c'est le choix, la préférence. C'est-à-dire apprendre à essayer et à capter ce qui nous met en énergie, en vibration haute, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous fait kiffer. D'ailleurs, en parlant de changement et de kiff, je suis prêt à parier que le café, c'était pas terrible quand vous étiez petit. Qu'est-ce que j'adore ça. Ouais, qui sait, peut-être que vous ferez un seul métier. Réponse unique. Ou deux, trois, quatre. Combien de fois vous allez changer d'avis? Combien de fois vous allez changer de goût? Combien de fois vous allez changer de métier ou d'activité? Apprendre au conscient, à l'inconscient, à l'énergétique et hors corporel, de discuter ensemble, de prendre les informations dont vous avez besoin pour avancer et savoir qui vous êtes au moment présent. C'est ça, se connaître et aller vers les choses qu'on aime, vers le bien-être. Conclusion, pas de réponse unique, ce n'est qu'une manière et une méthode de fonctionner au moment présent. C'est tout pour cette semaine les inspirants. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram ou YouTube. Et sur ce, ciao! À très bientôt!